Bonjour, je suis Jérôme Banquetel, je suis le chef de la réserve de Paris. Wow. J'ai commencé à l'école hôtelière en Bretagne. Ensuite, j'ai fait un petit tour de France pour apprendre un petit peu les cuisines différentes. J'ai rencontré Michel Rébier, propriétaire de la réserve, qui m'a donné l'opportunité d'ouvrir ce palace, donc le plus petit palace parisien, 40 clés. Au Gabriel, j'ai pris un tournant, une révolution dans ma cuisine. Donc en 2016, quand je suis sorti, j'avais un peu de tout ce que j'avais fait. Je n'étais pas vraiment encore Jérôme Banquetel. J'ai vraiment mis un gros focus sur la précision, sur les goûts, la concentration, sans trop m'éparpiller, quelque chose de très central au niveau de mes dressages, au niveau de mes goûts, toujours de l'acidité dans mes plats. J'ai fait une cuisine avec deux menus autour des voyages. Le premier qui s'appelle Virée, autour de la Bretagne, où c'est en 7 temps, on retrouve un petit peu les produits phares de la Bretagne ou des goûts qui m'ont d'enfance, que j'ai essayé de remettre un petit peu dans chaque plat. J'ai un deuxième menu qui s'appelle Périple, qui est là plutôt mon arrivée à Paris avec tous mes voyages. Le téléphone de Marc m'a agréablement surpris. Vous savez, on n'est jamais prêt à être nominé. J'en ai vu beaucoup de chefs de l'année, des grands noms. Une fierté aujourd'hui d'être à mon tour nommé. Ben, pour un guide qui fait beaucoup pour la restauration, qui a fait beaucoup pour les jeunes, de faire briller sa maison à travers un guide comme Goemio, c'est tout ce qu'un cuisinier veut.